Vladimir Poutine a décidé de raviver la guerre en Europe en essayant d'envahir et de faire tomber l'Ukraine, défendu courageusement par le président Volodymyr Zelensky. Une guerre militaire qui devient économique contre la Russie et qui a aussi des répercussions à tous les niveaux, aussi bien auprès des artistes que des sportifs. Même le clan du maître du Kremlin en fait les frais. En effet, comme le rapporte The Insider et France Bleu Pays Basque, dimanche 13 mars 2022, une effraction a été commise dans une villa de Biarritz, dite Altamira, par Pierre Hafner de son vrai nom Pierre Lapurdie. Cet homme, qui s'est filmé et a partagé des images sur la toile, est un militant gilet jaune qui se présente aussi comme blogueur russe sur Mediapart opposé à Poutine. Il était accompagné d'un autre homme, il s'agirait de l'activiste russe Sergei Saveliev, lequel a brandi un drapeau de l'Ukraine depuis la terrasse de la demeure, située non loin du phare. Ensuite ils ont fait changer les serrures d'accès à la maison, affirme le média local, qui précise qu'à leur sortie des lieux, ils ont été placés en garde à vue ce lundi 14 mars. Suite à cette effraction de domicile, le parquet de Bayonne doit prendre une décision dans la journée sur la suite des événements.